aise. Qu'est-ce qui fait de nous des gardiens ? Lors de notre premier souffle, nous n'avons aucun souvenir de notre passé. La lumière nous attire inexorablement. Nous combattons. Nous mourrons. Puis nous vivons de nouveau. Nous savons que nous avons été choisis pour une bonne raison, par une puissance qui nous dépasse. L'humanité qui avait su se développer et s'étendre ne compte désormais plus que quelques précieux et rares éléments à la recherche d'espoir et d'un foyer. C'est là notre vocation, l'avenir pour lequel nous combattons. Le futur que nous protégerons. Les flammes de chaque nouveau combat nous façonnent. Nous sommes forgés, aiguisés dans la bataille pour nous préparer aux luttes à venir. Ce que nous avons construit n'est que le début. Un symbole de notre potentiel, de notre identité et de notre destin ici-bas. Mais le jour viendra où nous serons mis au défi, où tout ce que nous adorons sera menacé. C'est à ce moment-là que nous verrons vraiment de quoi nous sommes capables.
Et c'est pour ça que vous allez pouvoir essayer tout cela ce matin. La troisième partie, c'est la coopération. Tout le monde sait que j'aime la partie coopérative de Destiny. Et dans Destiny 2, il y a beaucoup de nouveaux événements publics, de nouveaux assauts et un tout nouveau raid. Et nous aimerions vous le montrer maintenant. Non, en fait, pas du tout. Bien sûr, hein? Je parlerai du raid en dernier, parce que comme ça, je peux vous parler du troisième pas. Ce point, c'est qu'il y a toujours quelqu'un avec qui vous pouvez jouer. Et ça, c'est important pour nous. Les raids, tout le monde dans Destiny 1 ne pouvait pas y jouer. 50% étaient organisés dans des fire teams et pouvaient terminer des raids. C'est vraiment incroyable, c'est presque un miracle. Que vous jouiez dans une communauté avec vos amis ou que vous utilisiez des applications pour créer des fire teams et que vous créez des défis incroyables ou que vous tiriez un câble de réseau dans le couloir. Ça veut dire des milliers de joueurs. 50% n'avaient jamais l'occasion d'expérimenter le contenu le plus unique de Destiny. Et ce miracle dont j'ai parlé, ça ne suffit pas pour Destiny 2. Donc ce matin, nous allons parler comment les épreuves, le Nightfall et les raids seront enfin disponibles pour tous les joueurs. Destiny 2, c'est une vision. La vision de Destiny 2, c'est une déclaration très simple. C'est un monde dans lequel je veux être. Quand je m'y rends, il y a toujours des choses incroyables à faire. Et si je veux, il y a toujours quelqu'un avec qui je peux jouer. Au nom de Bungie et de nos partenaires d'Activision, merci à tout le monde qui s'est rendu ici et aux personnes présentes dans les chats. Et à tout le monde qui a passé du temps dans nos mondes, merci. L'attente est terminée. Voici Destiny 2. Et ça, c'est le homecoming, le retour. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me, now! Don't let the past
past the gate, the evac shuttles are back there. Wreckage are well trained, but we are better. We will hold this line until the last civilian is safely away. Incoming! Fall back to my shield! More Red Legion! Show them what Guardians are made of! We need to find the speaker. Shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. I've got the plaza. Go with Ikora. Find the speaker. We're on it, Commander. Ikora, the speaker is gone. Red Legion, you will take no more from us, and you will find no mercy in me! She'll find the speaker. We need to move on that command ship. Now head to the North Tower. I'm sending Amanda Holliday to pick you up. Amanda's inbound. She'll drop you on the command ship. Someone told me you need a ride. Zavala, picked up that guardian you never showed up about? Get them on that command ship, now! Guardian, time to kick him where it hurts. The shield generator should be at the bottom of the ship. Thank you.
The shield generator should be straight ahead. Merci. Si deux géants énormes qui brûlent, attention, spoiler, nous perdons. Malgré l'arcaniste Dawnblade, qui est incroyable, nous perdons sur notre propre territoire. La dernière ville sûre de la Terre n'est plus sûre. Destiny 2, c'est un jeu qui s'ouvre sur une perte. D'un seul coup, les joueurs perdent leur pouvoir. Ils perdent leur foyer, et encore plus triste, ils perdent leur coffre-fort. Juste une pensée pour Fadebringer. Tout est pris par Dominus Gall, le leader de la Légion Rouge, qui vient d'être présenté à la fin. Gall, ou Gary, il est là pour une raison toute simple. Il a été élevé depuis qu'il était une toute petite tortue. Un tout petit mec. On l'a élevé pour qu'il croie que lui et la Légion Rouge auraient dû être choisis pour recevoir le cadeau du voyageur. Il croit à une meilleure classe de gardiens. Il est là parce qu'il croit que le voyageur a fait le mauvais choix lorsqu'il nous a choisis. Et dans Destiny 2, Garl veut montrer au voyageur l'erreur de ses choix. Et l'humanité, nous sommes sur son chemin. Alors que le jeu s'ouvre sur la perte, ça devient un jeu de récupération. Récupérez vos pouvoirs, devenir fort à nouveau. Retrouvez votre connexion aux voyageurs et retrouvez des pièces d'équipement puissantes. Récupérez l'avant-garde, ces trois personnages que nous venons de voir, Savala, Cade et Akora. Ils sont tous confrontés à cette perte, tout comme nous, mais de différentes manières. Savala, le leader, Il a une crise existentielle. Il se pose des questions comme « Sans la lumière, est-ce que nous sommes encore les gardiens ?» Ça, c'est la voix de Zavala, donc elle est bien meilleure que moi. C'est pas moi. Et Cora est furieuse. Tant de connexions aux voyageurs, une de ces deux choses ont été enlevées. Donc, dans le raid, elle a peur. Il faut la trouver. Et Cade, c'est un leader implacable. Il fait souvent les choses auxquelles on s'attend le moins. Il essaie d'être un héros, et ce qui se passe après, on peut s'y attendre. Ça va de travers. Regardons de plus près Destiny 2, au scénario du jeu, et aux choses que vous allez chasser dans Destiny 2. Hey, you two, give me a sec. Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Destiny 2 tells a brand new story. What happens when a world full of superheroes loses their powers, their history, and home? Since Destiny 1 released, there's been no foe that they could stand before and not tip over. Whether it's Crota, Oryx, spider monsters, whatever. But in the opening of Destiny 2, players realize there is in fact a foe who has the power to not only take everything you own away, but to take your power away. I am Gaul, and your light is mine. Dominus Gaul is a Cabal warlord who has brought with him the Red Legion. And has come to our system to take the Traveler's powers, the light, take it for himself. Gaul's jealous. He wants to have the light. He wants to be chosen. Gaul is a different villain. He's not a psychopath who just wants to erase humanity off the face of the earth. He feels like this is something that is owed to him because of everything he's been through.
he's a villain who you're like, yeah, this guy kind of has his stuff together. He's more like Alan Rickman's character from Die Hard. Like, minus all the Britishness. The Protector itself, the Traveler, is put in a cage, and in an instant, all Guardians lose their light. Unexpected and irreversible. You can no longer go back to the tower. You can no longer even walk. All you can do is stumble. Nobody expected that light could be taken away once it was given. The city has been lost and the Vanguard's been cast out, and you are the hero of this story. Whether you're a Titan, a Warlock, or Hunter, you have to go out and get your powers back and take back the city. Whether you're playing Destiny today or it's going to be your first foray into the franchise, Destiny 2 is a new adventure for everyone. It's a fresh start for all players. Destiny 2 has an all-new cinematic campaign. There's more cinematics than we've ever had before. How long before the fleet's combat ready? And more story missions. There's quests, there's adventures, there's going to be people talking to you. Let's bring them home, you and I. All new worlds to explore. We've got cooperative strikes for three players, new nightfall strikes, and a brand new raid. In Destiny 2, we've built you all new weapons, all new armor, and a pile of brand new exotics. We also redesigned the weapon slots. They're gonna have a kinetic weapon, an energy weapon, and then a power weapon. Power weapons are things like fusion rifles and sniper rifles and grenade launcher. In that energy slot and the kinetic slot, you can have the same weapons. The new weapon plan was designed to provide players with more freedom, more choice to use the stuff that they love. Each character has these new supers, and they're really changing the way it feels to play the game. We have the Dawnblade. You can cast your super, you've got your sword, and you're flying over everyone, and you can just rain down fire, phoenix, projectiles that just decimate people. And then you have the Sentinel. The Sentinel is a Titan, and he is able to summon a shield that he can just knock his opponents out with. Or he can throw his shield and kind of just bang it off dudes' heads. And then you have the Arc Strider. They summon this mystical staff and wield it like a crazy acrobat, cracking enemies in the head. It's awesome. The idea of losing your home and being cast out and the lengths that you'd go to get it back, it's all tied together to be something that's really meaningful. The sense of starting as an underdog and climbing to a great height is really fun. Destiny 2 is the place where we get to reach back out to everyone who could enjoy a sweet first-person shooter in a future world with giant awesome aliens to fight and gear to chase and powers to use and say, come check this world out. Come get invested in this world and in this story. Bon, alors, vous êtes prêts à jeter un coup d'œil sur ces mondes? Vous allez applaudir toutes les deux secondes. Je vais rester ici pendant un moment. C'est ça que nous faisons. Nous construisons des mondes. Nous construisons des mondes qui vous attirent et que vous pouvez visiter, et vous pouvez les visiter de maintes fois. Et ensuite, nous remplissons ces mondes avec de l'action, comme ce que vous venez de voir dans Homecoming, le retour. Moi, j'ai deux fils, et tout comme vous, il joue beaucoup à Destiny, ne vous inquiétez pas. En particulier celui avec l'armure Titan. Et le plus âgé, il joue beaucoup comme moi, c'est un joueur solo. Il adore les campagnes, il adore les missions historiques. Il patrouille dans la nature comme un loup seul. Et il l'adore. Mais mon plus jeune, il aime bien faire les compétitions. Il est toujours dans le creuset. Vous savez ce que c'est.
Il a aussi un clan avec lequel il fait des raids. Mais je ne vais pas vous dire quel âge il a, parce qu'il est déjà mieux que moi. Et il me le rappelle toujours. Hé hey papa, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Hé, hey, regarde. Vous savez ce que c'est, hein? Et puis moi, je suis genre... il faut que je m'occupe d'un autre enfant dans ma vie, Luke Smith. Et lui, il me dit genre... Hé, hey, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait hier soir. Ça, c'est ma meilleure imitation de Luke Smith. Il y a beaucoup de choses à faire dans Destiny. Et cette variété, c'est ce qui nous attire, selon notre humeur. Et maintenant, nous avons rajouté d'autres choses. Dans Destiny 2, il y a encore plus de choses à faire que dans tout jeu que nous avons jamais fait chez Bungie. Donc nous allons commencer par ce que nous avons gardé. Une toute nouvelle histoire. La guerre rouge, la campagne de guerre rouge, qui vous emmènera dans tout plein d'endroits. Oui. Dans votre périple, vous allez expérimenter de nouvelles missions et beaucoup plus de cinématiques que nous n'avons jamais eues dans un jeu de Destiny. Vous venez de voir une partie de la première mission, du retour, Homecoming. Et aujourd'hui, nous allons vous donner le contrôleur pour que vous puissiez jouer vous-même. Les assauts sont de retour. Les missions coopératives, vous pouvez jouer avec vos amis, si vous en avez, ou d'autres gardiens, grâce au matchmaking. Mais nous avons un nouvel assaut. Ça s'appelle la flèche inversée. Et vous allez pouvoir y jouer aussi, aujourd'hui. Ouais! Ça vous emmènera dans un nouveau monde, Nexus, dans un territoire de la Légion Rouge, dans la forteresse de Vex. Vous allez combattre un boss à 3 étapes. C'est vraiment chouette. Et ensuite, il y a le creusé. Les joueurs de PvP, merci. Multijoueur compétitif, avec les adversaires les plus redoutés dans le monde de Destiny. Vous. Comme l'a dit Luke, nous avons procédé à de grands changements dans le creuset dans Destiny 2. Nous l'avons développé pour les joueurs de PvP avant tout. Maintenant, il est 4v4 sur l'ensemble des modes de jeu. Et le nouveau hub, il y a des informations sur vos adversaires, s'ils sont prêts, super, et s'ils ont des munitions power. Pour que ce soit une expérience à laquelle il est facile de s'habituer, mais qu'il est difficile de maîtriser. Ouais. Et nous avons même de nouvelles cartes, des nouveaux modes. Et nous pensons que c'est la meilleure offre PvP que Destiny n'ait jamais vue. Aujourd'hui, nous vous présentons un tout nouveau mode. Ça s'appelle le Countdown, le compte à rebours. Le premier mode d'attaque et de défense de genre. Ça a été la source de tests de jeu très intenses chez Bungie. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vous y essayer. Regardez autour de vous dans cette salle. Parce que ce sont vos coéquipiers et vos adversaires. Eh oui, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. À tout moment. Bien sûr, nous avons un tout nouveau raid. Ouais. Et nous allons vous le montrer. C'est le summum des activités, le plus grand défi auquel un gardien peut être confronté. Tous ceux qui l'ont déjà fait le savent que vous devez le résoudre vous-même. Mais on laisse ça pour une autre fois. Et il y a une autre zone dans laquelle nous avons fait des améliorations. L'exploration des mondes. Vraiment des choses super cool. Pour de nombreuses personnes, c'est gratifiant rien que de découvrir les mondes, d'atterrir sur une zone d'atterrissage et d'être les champions qui sont la faveur de l'humanité. Mais dans Destiny 2, nous avons amélioré le monde. Il y a tellement de choses à faire lorsque vous faites vos patrouilles. Maintenant, vous pouvez voir toutes les nouvelles activités dans votre monde sans retourner en volée, sans retourner en orbite. Ouais. C'est mon endroit préféré où je me rends dans Destiny. Il y a encore des patrouilles, des rencontres ambiantes, des matériaux, des coffres à trouver et des événements publics avec des rôles épiques. Mais maintenant, il y a des aventures, des cartes au trésor que vous pouvez suivre et des secteurs perdus que vous pouvez découvrir.
Il vous suffit de choisir une zone d'atterrissage et le reste vous appartient. Vous allez rencontrer de nouveaux personnages dans leur propre monde, qui ont leur propre histoire. Ils vous enverront dans des missions latérales, que nous appellerons des aventures. Les aventures comprennent de nouvelles mécaniques, de nouvelles rencontres, qui vous emmèneront dans de nouveaux endroits et qui vous rendront en tant que gardien plus fort. Les mêmes personnages marqueront également votre carte, avec des endroits mystérieux que vous pouvez découvrir. C'est ce que nous appelons les secteurs perdus. Lorsque vous descendez dans ces donjons, vous allez trouver une cache au trésor et un boss qui détient la clé. Ouais. Tout ça sera plus facile à trouver dans Destiny 2 en raison de la nouvelle carte qui vous guidera. Vous pouvez choisir de jouer à Destiny à votre façon, choisir des secteurs perdus, faire des aventures ou rallier dans des événements publics et ensuite le marquer sur votre carte. Ces activités sont le fondement de Destiny 2. Et nous allons vous emmener dans de nouveaux endroits pour les réaliser. 4 nouveaux mondes! Des mondes pleins de mystères, d'aventures et de nouveaux personnages à rencontrer. Mais l'équipe peut vous montrer ces mondes mieux que moi. Alors, regardons les nouveaux mondes de Destiny 2. We have these incredible worlds to explore. There are all new destinations, new planets, with incredible spaces and secrets hidden. Now we have stuff tucked around every corner, under every locked door. There's something there for you to find. The map is a huge part of this new player experience for Destiny. Now you can actually go directly from one planet to another planet without going to orbit first. You can just open the director, pick your new destination, and go straight there. This is about getting you into the action faster, and we want to remove as many barriers as we can between your gun and the enemy's face. Everything you're doing on every destination is about getting more powerful, and it's about getting the band back together. The Vanguard have been scattered, and as a player, it's your job to go out to these mysterious destinations and gather them back together. And everywhere you go, it's about growing more powerful and learning how to go back and take back your home from Gaul. One of the first destinations that you're going to go to is the European Dead Zone. This is an incredible place. It's the largest destination we've ever built, easily, maybe by a factor of 2. And we have found a refuge where we've built a camp. It's the place where humanity stops fleeing, and it's where they decide to, you know, plant a flag, start getting strong again. One of our new worlds is Titan. It's a moon of Saturn. If the light can find its way back to you, then perhaps there is hope for us all. That's where Zavala chooses to go, to heal his wounds and to recover from the assault and the defeat that he's just suffered. It's this incredible methane ocean with 40-meter high waves, and there's an old human utopia there that's sinking into the ocean. These huge monolithic structures constructed by humanity at the peak of the Golden Age. There's literally no landmass on Titan. It looks like the ocean. Come on, I don't know how long this portal's gonna stick. Cade is on a planetoid called Nessus. It has been totally occupied by the Vex. They have transformed it almost entirely into one of their machine worlds. It has its own native vegetation, and the landscape has these incredible canyons. They're actually based off of this word I will mispronounce called Tipui, which is like these Brazilian plateaus. And then we go to Io, which is this sort of sulfuric yellow moon of Jupiter. Io is the last place in our solar system that the Traveler touched before the collapse happened. And you can imagine that a place where the Traveler once appeared has a bunch of mythology and lore and mystery surrounding it. It's a very sacred place to guardians, and particularly warlocks, and particularly like Korra. This is where I return.
Vous savez, les meilleures histoires de mon expérience de jeu personnel ont appliqué d'autres personnes. Tisser des liens avec mes frères, mener mes propres guildes, organiser des tournois pour différents jeux que j'adorais. Quand j'étais jeune, faire partie de ces communautés, c'était une des premières fois où j'ai vraiment eu un sentiment d'appartenance. Et je suis incroyablement reconnaissante pour les amitiés qui en sont nées, de jouer ces jeux ensemble et de l'impact que ça a eu sur moi. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre pourquoi les jeux sont si importants. Les jeux sont le meilleur média pour rassembler différentes personnes. Maintenant, chez Bungie, je suis entouré de tellement de personnes, mais qui ont des histoires similaires. C'est un privilège absolu de faire partie d'un studio qui se soucie vraiment de rassembler les gens et de construire des communautés dans les jeux que nous développons. Ces trois dernières années ont été une expérience incroyable de voir le lancement de Destiny et de voir les communautés se former. Vous avez travaillé ensemble pour résoudre les problèmes qui se sont présentés. Vous avez fait des équipes pour vous aider les uns les autres à jouer le fin fond des détails du jeu. Et vous êtes allé très loin pour améliorer le jeu, pour améliorer la vie des autres. Vous nous avez aidé à construire un monde qui a rassemblé les gens. Et nous sommes si fiers de la quantité de respect et d'amour qui ont défini ces communautés. Tant de vies ont été transformées et continueront d'être transformés. Nous savons que nous devons continuer à soutenir cela. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que dans Destiny 2, les clans arrivent dans le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas les clans, ce sont des équipes optionnelles que vous pouvez rejoindre pour qu'il soit plus facile de jouer avec d'autres personnes. Pour moi, jouer dans un clan est au centre de mon expérience de Destiny. Mais jusqu'à présent, la coordination avec mes amis s'est toujours déroulée en dehors du jeu. Avec Destiny 2, nous apportons un soutien du clan officiel dans le jeu. Nous voulons que ça soit plus facile à gérer et à développer votre clan. Donc nous ajoutons des listes dans le jeu. Des outils dont vous avez besoin pour développer vos Fireteam et des bannières personnalisées pour aider à façonner vos identités partagées. En plus de ça, nous avons ajouté un système de récompense qui est partagé par tous les membres de votre clan. Alors que vous fassiez un raid une fois par semaine ou que vous n'avez le temps que pour quelques parties de PVP le week-end, votre contribution aidera toutes les personnes du clan à obtenir des récompenses. Nous comprenons que rejoindre un clan, ce n'est pas pour tout le monde. Et ça ne fait rien. C'est pour ça que je suis super excité de dire que les clans auront leur importance, même si vous n'en rejoignez pas un. Dans Destiny, nous avons des activités coopératives qui ont été conçues pour inspirer l'amitié. Des activités comme Nightfall, les raids, les épreuves que nous avons réservées exclusivement pour des groupes dédiés de personnes. Parce que nous pensons que le défi, c'est ce qui alimente les souvenirs entre des amis d'une vie. Et nous ne pensons pas que le matchmaking était une bonne solution. En raison de la façon dont les communautés de jeux peuvent devenir toxiques et du fait de rassembler des inconnus dans des expériences difficiles. Et bien que nous pensions que jouer avec un groupe de personnes en lesquelles vous avez confiance, c'est la meilleure manière d'expérimenter les gens, pour certains joueurs, l'accès à notre contenu de fin de jeu n'était pas offert. Donc, nous avons eu une idée. Nous avons ces clans qui sont notre meilleur exemple de communauté avec une culture positive. Et nous avons tellement de joueurs qui recherchent à jouer des contenus difficiles dans un environnement accueillant. Et si nous combinions les deux, nous essayons quelque chose de nouveau dans Destiny 2 et nous aimerions vous présenter les jeux guidés. Bon, à un niveau élevé, les jeux guidés est un système où les clans et les joueurs solo peuvent se rencontrer pour jouer à des activités difficiles. En tant que joueur solo, vous pouvez utiliser les jeux guidés pour choisir un clan avec lequel vous voulez être apparié, pour un raid, pour une session d'épreuve ou pour un assaut Nightfall.
Et ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez voir quels clans sont prêts à accueillir et vous pouvez lire un peu des informations sur ces clans pour savoir quel genre de joueurs ils recherchent en ce moment. Vous pouvez voir comment ils se présentent et comprendre quels types de joueurs font partie de ce clan. Pour les joueurs qui font partie d'un clan actif, créer une fire team complète de 6, ça peut être quand même une expérience frustrante. Et si vous êtes un planificateur comme moi, alors vous êtes motivé à jouer avec le même groupe, à toujours jouer avec le même groupe. Et vous n'avez pas que quelqu'un vous fasse vos bons au dernier moment et qu'ensuite vous devez vous débrouiller pour trouver un remplaçant, juste pour garder le groupe. Avec les jeux guidés, vous pourrez ouvrir votre partie à de nouveaux joueurs qui recherchent un groupe dans lequel ils peuvent jouer. Avec les jeux guidés, les clans sont désormais le fondement de la communauté qui mène chaque joueur à l'ensemble du contenu le plus difficile. Et bien sûr, nous sommes contents que tout le monde a la chance d'expérimenter tout ce que Destiny 2 offre. Nous sommes encore plus excités des histoires, des personnes que vous allez rencontrer et comment vous allez jouer ensemble. Et nous savons qu'il y a une communauté pour chacun d'entre vous. Et nous espérons que dans Destiny 2, nous pouvons vous aider à en trouver une où vous aurez un sentiment d'appartenance. Destiny 2 really tries to say you belong. You can play by yourself, and that's awesome. But playing with someone else and tackling a challenge together, that's when we believe Destiny is really at its best. We've heard loud and clear from a lot of our players over the last couple of years that they really wanted to play endgame activities like the raid and the Nightfall strikes that require a group, but they just couldn't get enough players online at the same time. Our big challenge is like, how do you take the ease of matchmaking and how do you take the magic of community building and help people find the people that you will have a great time with? We're adding two new systems to Destiny 2 that are pretty critical, clans and guided games. Clans have always been a part of Destiny. It's just been a nameplate or a second friends list. But clans are finally in the Destiny 2 game. Clans in Destiny 2 are groups that you can join to play the game together. When you're looking for the clans, you kind of get to see their motto, you get to see their name, you get to see that awesome clan banner there, and you kind of get a sense of who they are before you say, you know what, yeah, I'm gonna go play with these guys. Clans are going to have progression, rewards, and they're also going to be guides for the Guided Games experience. Guided Games is a way to allow solo players to seek out clans, to find people who are already hosting a game, who are just looking for one or two more players. So imagine you had five people who wanted to play Raid, but they're missing a sixth person. Then you have a solo player who's never played Raids before, and they're like, I just want to see what this is like. We'll match a group and a solo player together. Guided games are our way of making sure everyone who loves Destiny can play every piece of content we build. Guided games doesn't require any commitment. You can just have that really great experience, and then you can part ways. But our hope is, if you have a blast in that activity, maybe you'll make some friends and join the clan. Destiny, through clans and guided games, is going to help people fill out their friends list, so they're always going to have people to play with. What we try to do in Destiny 2 is weave this sense of community throughout the entire game. When you get to the farm, you meet this character, Hawthorne, who doesn't live in the city anymore, but she went out into the wilderness and created a community of her own. So we use the storytelling. It's created so many friendships that would have never existed, all because of this game. Andiamo! We really try hard to make sure from the ground up we're building this to be an experience that you want to share with your friends. And not only your friends, but the potential friends that you could have. I've never had a game that feels like home before, but Destiny just feels like home. There are no words to explain how much I love this community. People have found a new place to call home and new people to call family. Destiny 2 is really ramping up everything in every regard. I think it really is about the breadth of experience that you can have. Whether you're in match-made activities like PvP and strikes, whether you've taken a step into guided games, it's a game that's best enjoyed beside other players. That's the heart of Destiny. That's what the game's about.
Comme vous pouvez le voir, Destiny est une série qui rassemble les gens. Ça m'a permis de me reconnecter avec un ancien ami du collège, quelqu'un dont je n'avais plus entendu parler depuis 20 ans. J'étais à la conférence de presse Sony E3 il y a quelques années et je regardais le roi décorrompu et mon téléphone s'allume et c'est un message d'un ancien ami. Hey « Eh mec, tu connais ce jeu Destiny ?» Et moi, du genre « Ouais, je connais un peu ce jeu Destiny. » Et depuis lors, nous avons joué à ce jeu ensemble pendant des dizaines d'heures. Nous sommes présentés nos familles dans la vie et nous avons eu l'occasion de rigoler à nouveau comme nous le faisions lorsque nous jouions à Super Nintendo dans la cave de ses parents. Et Destiny, ça m'a aussi permis de me rapprocher de mon jeune frère. Nous parlons au téléphone maintenant, presque toutes les semaines. Et pendant les 10 premières minutes, au lieu de parler de notre travail, de nos parents, nous parlons de Destiny. Nous parlons des voyages de nos gardiens, où nous sommes rendus, les loots que nous avons trouvés, et son histoire, comment il a trouvé Gallimore, le gars qu'il a écrasé dans le creuset. Et chaque semaine, il me pose des questions sur Destiny 2. Et chaque semaine, je lui refuse, jusqu'à aujourd'hui. Avec Destiny 2, les clans, les jeux guidés, nous visons à rassembler des millions de personnes pour qu'elles se reconnectent de la même manière, avec de nouveaux amis, et pour qu'elles rencontrent de nouveaux amis. C'est ça la promesse de ce jeu. Pour nous, Destiny, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un monde dans lequel vous pouvez vous perdre pendant 10 minutes, ou même des milliers d'heures, où vous pouvez explorer le monde à votre propre rythme, ou vous battre dans des défis les plus compétitifs qui n'existent jamais dans les jeux vidéo. Ou alors vous pouvez jouer solo, comme moi je le fais, ou alors avec des amis, ou un membre de votre famille, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça, c'est Destiny 2. Destiny, c'est un monde dont je veux faire partie, où il y a des choses incroyables à faire chaque semaine. Et il y a toujours quelqu'un avec qui jouer. Au nom de Bungie et d'Activision, j'aimerais remercier l'incroyable communauté qui nous inspire à travailler sans relâche pour faire de ce jeu une suite digne de l'original. Maintenant, avant que je passe le témoin à Eric Hirschbeck d'Activision, qui va clôturer ce show, jetons un dernier coup d'œil, à Destiny 2. Ikora, si tu me dis que c'est une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serais vraiment impressionné. T'impressionné, Kane? C'est ce que je fais déjà à longueur de journée. Ikora, quelles sont les nouvelles? Quelqu'un ou quelque chose a saboté les systèmes de défense de la cité. Les capteurs derrière le mur ont arrêté d'émettre. À vos stations! Tout le monde avec moi! Maintenant! Accrochez-vous! Tout s'arrête ici. L'ennemi a détruit notre foyer. Et maintenant, il menace aussi notre existence. Mais si nous attaquons tous ensemble, nous pourrons reconquérir notre planète, quel qu'en soit le prix.
Alors quoi? J'ai raison ou j'ai raison? Bien que cette bande-annonce est vraiment géniale, je peux vous dire que, en jouant le jeu, j'ai vraiment beaucoup joué. C'est encore mieux que ce que vous avez vu. Je ne pourrais pas être plus fier ou reconnaissant de nos partenaires chez Bungie. Ils ont une grande vision pour ce jeu, pour faire de Destiny 2 une suite digne de l'original. Et ils ont également bien écouté notre communauté. Ils ont pris les bonnes décisions pour faire de Destiny 2 un jeu génial. Alors applaudissons Luke, Steve, Amy, Mark. Et applaudissons également toute l'équipe qu'il représente chez Bungie, qui se sont tués pour créer un jeu incroyable pour vous. Quel travail formidable. Vous savez, bien avant que j'étais partenaire chez Bungie, j'étais un fan de Bungie et de leurs jeux. Et c'était un plaisir et un honneur de les aider à réaliser cette vision. Et pour vous tous qui êtes ici en personne, dans quelques minutes, vous allez pouvoir être les premières personnes à vous essayer au jeu 2, Destiny 2. Vous allez pouvoir jouer votre première mission de campagne, celle que vous avez eue au début du stream. Vous allez pouvoir faire équipe les uns avec les autres, expérimenter un tout nouvel assaut et vous allez pouvoir le combattre dans un tout nouveau mode multijoueur. Beaucoup de contenu formidable. Et pour vous tous qui regardez à la maison, sur un écran, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Parce que nous allons offrir un bêta plus tard cet été pour que vous ayez l'opportunité de vous essayer à Destiny 2 avant le lancement. Bon, faire tout ça, réaliser cette vision, et réaliser une telle entreprise aussi énorme et aussi ambitieuse que Destiny 2, il faut bien plus que des talents formidables. Chez Activision, chez Bungie, il faut des partenaires qui croient en la vision et qui la voient, tout comme nous. Et ce partenaire, c'est Sony. Ils ont été à nos côtés, vraiment, même avant le premier jour. Ces gens-là sont formidables. Ce sont des joueurs hardcore de Destiny. Et donc, cette équipe a été d'un grand soutien pour Bungie et pour Destiny, y compris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils nous offrent les PS4 Pro 4K avec lesquels nous allons jouer aujourd'hui. Donc, merci du fond du cœur à nos partenaires de Sony d'être nos partenaires. Bon, ce n'est pas un secret que Destiny a inspiré des millions de joueurs de consoles de par le monde. Mais il y a une communauté de joueurs qui n'a pas encore mis les mains sur Destiny. Et c'est vous, les fans de PC. Comme vous le savez, nous l'avons déjà annoncé que Destiny 2 sera disponible sur PC. Et que ce sera une version héroïque du jeu. Et donc, vous allez pouvoir le voir vous-même. Vous n'avez pas besoin de me croire. Vous allez tester vous-même. Et vous pourrez voir tout l'amour et toute l'attention que nous lui avons donné. Juste pour vous, les fans de PC. Mais ce que nous n'avons pas encore annoncé, c'est où vous allez le trouver. Eh bien, je vais vous dire, il y a un endroit où les meilleurs jeux de PC et les joueurs de PC les plus passionnés, où ils habitent. Et Destiny 2 va faire partie de ce monde. Donc je vais vous présenter un de mes amis qui voulait essayer en personne, mais il est en Chine. Et donc il va nous rejoindre en vidéo. Mais il s'y connaît un peu dans les jeux PC. Et c'est mon ami de Blizzard, Mike Mohan. Et bonjour tout le monde, je suis Mike Mohan de Blizzard Entertainment. Et je suis excité de faire partie de la célébration de Destiny aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi Blizzard arrive dans la fête de Destiny 2. Eh bien, nous sommes de grands fans de ce qu'Activision et Bungie ont fait avec Destiny. Nous pensons que c'est un jeu formidable. Et nous aimons beaucoup recueillir les indices. Et comme vous le savez, il y a une communauté passionnée qui adore ce jeu. Avec Destiny 2 qui arrive sur PC, nous avons pensé que le moment est venu
de rassembler les communautés de Blizzard et de Destiny 2. Et donc, je suis excité d'annoncer que Destiny 2 sera disponible dans le jeu, dans le service de jeu en ligne. Ceux qui aiment faire des démos, explorer des contenus et se connecter avec des fonctionnalités sociales et des chats, nous faisons un partenariat avec Bungie et Activision pour réaliser cette vision sur la plateforme de Blizzard. Je sais que vous avez une journée chargée devant vous, avec beaucoup de choses à découvrir. Alors amusez-vous bien et nous vous verrons en ligne. Merci, Mike, de nous aider à faire cette énorme annonce. Merci à nouveau à nos partenaires de Bungie pour ce qu'ils font et pour créer ce jeu génial que vous allez pouvoir aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'Activision et pour donner vie à tout cela. Mais avant tout, nous aimerions tous vous remercier en personne et tous ceux qui regardent à travers le monde. Ce jeu est développé parce que nous avons la conviction que jouer, c'est toujours plus amusant que lorsque vous le faites avec vos amis. Et on n'a rien de temps. Vous avez fait de cette communauté de Destiny une des communautés les plus engagées, les plus passionnées qui ait jamais existé. Et donc, on va vous voir en ligne. Et vous, à la maison, cet été, vous pouvez jouer au bêta. Et vous, qui êtes là dans la salle, allons jouer. Merci.